Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Steam Deck. Au Steam Deck. Ouais, on me reprend tout le temps, je sais pas si on doit dire une ou un Steam Deck. Moi j'ai tendance à dire un PC portable, mais une console, ça dépend comment vous la prenez. Bref, cette vidéo est dédiée aux accessoires que le Steam Deck est capable d'accueillir. C'est JSOX en ce moment qui règne en maître au niveau des accessoires. Je vous avais déjà présenté dans ma vidéo de présentation générale le dock produit par JSOX et qui accueille le Steam Deck pour pouvoir le brancher en externe sur un écran. Aujourd'hui, JSOX revient avec 4 accessoires qui sont totalement indispensables si vous avez un usage mobile du Steam Deck. Parmi ces 4 accessoires, on va avoir un sac de transport, une housse silicone, une survitre, et puis la fameuse coque arrière transparente qu'on voit un petit peu partout, qui dispose en plus d'un petit dissipateur à l'arrière pour refroidir la machine un petit peu plus efficacement. Bref, je vous propose de découvrir ça dans cette vidéo, mais sachez que votre Steam Deck, à la fin de la vidéo, elle va ressembler à ça. On commence par le premier accessoire qui n'est autre que la coque transparente qui dispose d'une meilleure dissipation de la chaleur pour le Steam Deck. La boîte est plutôt complète, fournie avec tous les accessoires pour le montage. La coque est également fournie avec un jeu de boutons arrière L et R avec plusieurs duretés. Bien sûr, tous les accessoires JSOX sont fournis avec les manuels. Les outils fournis sont complets, on a le cruciforme, on a un petit manche qui va permettre de faire levier pour déclipser la coque arrière d'origine, on a de la visserie de remplacement, et on a même des protections de doigts pour éviter l'électricité statique et pour éviter tout simplement de mettre des traces partout. La coque arrière est maintenue par 8 vis, c'est très facile à enlever, par contre à déclipser, c'est vrai que c'est un petit peu dur, il faut faire un bon levier, et puis au bout d'un moment, la coque vient d'elle-même. Personnellement, j'ai choisi les touches jaunes qui correspondent à la dureté d'origine. Mais faut savoir qu'il y a 2 jeux de dureté supplémentaires, les bleus et les rouges, qui avec un système de lamelles permet d'avoir un toucher un petit peu plus dur sur les touches L et R arrière. Une fois qu'on a terminé, on reclipse tout et on revisse. Au passage, on aperçoit bien sur la coque le petit carré en aluminium qui permet normalement d'avoir une meilleure dissipation de la chaleur. On passe au deuxième accessoire qui n'est autre que la survitre. Alors, on est tous habitués à avoir des survitres sur nos téléphones portables, alors pourquoi pas sur la Steam Deck puisque potentiellement, comme un téléphone portable, elle est susceptible de prendre des POC dans toute sa vie. Encore une fois, JSOX assure le coup en fournissant une boîte vraiment très complète avec un manuel d'utilisateur, les outils pour nettoyer la vitre, une petite raclette pour enlever les bulles, un gabarit pour placer correctement la vitre au millimètre près et un jeu de 2 vitres anti-rayures, anti-traces de doigts, en dureté 9H. On commence par un petit nettoyage avec la lingette dédiée, puis une deuxième lingette en tissu qui va permettre d'absorber et d'enlever vraiment les traces. Pour la manipulation, même s'il n'était pas fourni, je vous conseille de garder des petits gants en latex. Enfin, on termine l'opération avec une sorte de bande adhésive qui va permettre d'enlever la moindre petite poussière car il ne faut absolument rien, sinon vous risquez d'avoir des bulles sous votre vitre. On place le gabarit qui normalement se clipse. Et on laisse tomber la survitre par-dessus. Ensuite, avec la petite raclette, il suffit juste de venir faire un petit mouvement de la gauche vers la droite pour chasser l'air. Le petit inconvénient de cette survitre, c'est qu'on perd l'efficacité du traitement anti-reflet qui est par défaut sur la Steam Deck haut de gamme. En revanche, c'est du plus bel effet et surtout fini les traces de doigts. Allez, troisième accessoire, la housse silicone. Personnellement, c'est pas forcément mon accessoire préféré, mais si vous trimballez assez souvent votre Steam Deck, c'est vrai que ça peut vite devenir indispensable.
On enfile ça comme une chaussette, c'est une matière qui est très extensible, il faut pas hésiter à tirer dessus. J'aurais préféré avoir une housse silicone un petit peu plus dure à mettre avec un silicone moins élastique et plus ajusté. Là, on peut voir que, notamment sur la partie qui entoure l'écran, il y a un petit relâchement. C'est pas gênant, et la housse silicone permet de garder un très bon contact avec les boutons. Le toucher est doux et plutôt agréable. En tout cas, ça ne glisse pas des doigts. Dernier accessoire, le sac de transport rigide pour la Steam Deck. Il dispose de deux compartiments, un à l'avant où vous allez pouvoir mettre plusieurs accessoires. Chaque compartiment est retenu par un petit élastique, si bien que si vous ouvrez votre fermeture à glissière, ça ne va pas basculer totalement et faire tomber tout le contenu qu'il y a dans le compartiment. Le compartiment le plus au fond, celui qui est plaqué sur votre dos, est réservé au Steam Deck. C'est un compartiment qui est moulé, toujours maintenu par deux rabats élastiques qui évitent l'ouverture. Et la Steam Deck rentre, même avec la housse silicone, impeccablement dedans. Enfin, il y a un petit rabat scratch qui vient par-dessus et qui empêche la Steam Deck de toute façon de se faire la malle. Côté bandoulière, on a une bandoulière principale que vous pouvez fixer soit à gauche, soit à droite, et une bandoulière secondaire. Ajustable, il y a une très très bonne longueur. Côté confort, on a des mousses qui fait qu'on ne sent absolument rien sur la colonne vertébrale quand on l'a sur le dos. La coque est rigide mais faut pas non plus marcher dessus, et bon point, elle est waterproof. Si vous sortez sous la pluie, votre Steam Deck reste au sec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je remercie JSOX pour l'envoi de matériel, c'était vraiment sympa de découvrir tous ces accessoires. S'il y en a d'autres plus tard, je n'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et à très bientôt sur universimu.com.